Et yo tout le monde, c'est Inferno ici, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur l'appli web de FUT 15. Donc j'aurai le jeu dans pas longtemps. Enfin ça dépend vu que j'habite à Tahiti, le temps qu'on envoie le jeu et tout, vu que je l'ai précommandé, ça risque de mettre pas mal de temps. Mais bon, on fera avec, hein, on attendra. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, comme j'ai fait l'année dernière, une technique d'achat-revente qui va vous permettre de bien commencer FUT. Une technique qui marche vraiment beaucoup. Enfin grâce à ça je me suis fait plus de facile 7-8 000 de bénéfices je pense. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer ma liste. Si ça a bien marché. Donc vous pouvez voir plein de joueurs or non rares. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais. Donc vous allez dans le marché des transferts. Ici vous avez marqué 450 et joueurs or. Après vous pouvez faire des recherches par championnat et autres. Mais je vous conseille pas forcément. Après vous faites recherche. Et c'est à ce moment-là où il faut être assez malin. C'est-à-dire, par exemple, lui, je le connaissais pas. Mais prendre des joueurs qui jouent dans un bon championnat, qui ont des bonnes stats. Et qui peuvent vraiment être utilisés enfin, par d'autres joueurs. Donc, qui font envie. Qui ont une carte qui fait envie. Donc, par exemple, lui, il fait pas mal envie. Hein, Italien qui joue à la Juventus, ça fait pas mal envie quand même. Il y en a un qui marchait beaucoup. Par contre, je sais plus du tout comment il s'appelle. Je vais vous le montrer si je peux. On va retourner derrière. Il joue dans un qui a vraiment beaucoup marché. Il joue à Dortmund. Je sais pas si on le verra. Non, c'est pas lui. Ouais, c'est lui. Voilà. Ginter. Alors lui, il marche vraiment bien parce que vu qu'il joue au Borussia Dortmund et que c'est un assez bon défenseur pour commencer le jeu, tout simplement, bah, les gens aiment beaucoup. Donc lui, on va poser une offre, on verra. Si vous pouvez, le mieux c'est de les acheter à 350, ça c'est vraiment le mieux. Le mieux que vous pouvez faire c'est ça. Donc vous regardez un peu, bon, là ça c'est pas la vraie technique, c'était juste pour vous montrer. On va refaire comme avant, tout. Toi, tu pars. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu vite fait. Donc des fois il faut chercher pas mal de temps, hein. Faut pas croire que ça vient comme ça. Lui il a des bonnes petites stats, hein. 80 presque partout. Et presque je le prendrais si je fais jamais une Bundesliga pas cher, je prendrais ce joueur-là parce qu'il a vraiment des bonnes stats. Après, bah là, il n'y a pas énormément de gros joueurs. Donc voilà les gens, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Lui, je l'ai déjà vendu, lui, il marche bien. Regardez, il y a même une offre dessus. Il marche vraiment bien. Bon, comme j'en ai plein dans ma pile, je vais pas le racheter. Mais il marche vraiment bien. Par contre, il y a un joueur que j'aimerais vous présenter. Je sens que ça va être un joueur cheaté. Je sais pas pourquoi. Mais il a l'air vraiment bon. J'espère que j'ai. Voilà, c'est lui. Tetei. Il me fait tellement penser à faire. Il jouait dans le même club. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que ce joueur il va faire mal. Parce qu'il a vraiment des bonnes stats. En plus, je l'ai déjà vendu. Et vraiment, je sais pas. Lui aussi se vend bien. Stark, de défenseur. Enfin, gardien remplaçant, je pense, du Bayern. Vraiment pas dégueulasse. Enfin, il se vend pas mal. Lui aussi, je pensais pas, mais il se vend. Je l'ai vendu deux fois. Ayou pour l'instant je l'ai pas vendu. Je l'ai vendu. Enfin voilà, vous pouvez vous inspirer un peu de ma pile d'échange. Faut tester, faut essayer. Si ça part pas, bah vous baissez un peu le prix. Donc bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette technique marche vraiment. C'est grâce à ça que je me fais mes crédits. Je vais continuer d'ailleurs. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like. C'était Inferno FC. Bye bye.